Bonjour tout le monde, nous-mêmes qui regardons dans la journée, et bonsoir tout le monde, nous-mêmes qui regardons dans l'après-midi ou bien dans la soirée. Aujourd'hui, je viens parler d'un sujet très précis ensemble avec nous. C'est la difficulté que les jeunes ont gagné lorsqu'ils ont fini l'école. Dans le choix qu'ils ont gagné pour aller apprendre des choses. Ils ont toujours posé cette question, qui ça va apprendre, qui ça va aimer. Malheureusement, le choix ça pas jamais dépendre de eux-mêmes, mais il toujours dépend de parents qui toujours fait choix par rapport avec l'économie. Ou bien par rapport à ça, ou même si vous êtes jeune, ou bien ça vous souhaité pour petit. Ça vous avez que les amis, les petits amis apprennent, etc. Mais avant que je rentre dans le sujet, ça, il y a un bagage qui est très précis, une erreur que nous-mêmes nous avons toujours fait, nous-mêmes qui finissons l'école, fait, et pendant que nous-mêmes l'école, nous fait tout. Qui ça lit? L'école, yo apprend nous dit comme ça que c'est à l'école, travail du passé. Après ça, vous parlez l'université pour jeune travail et pour toute bagaille fini, ou a bien passé. Réalité a toujours montré que pas ça la vie, et pas comme ça vraiment. Ou qu'a fini l'école ou pas utile rien, ou pas jamais faire rien. Ou qu'a fini avec mention très bien l'école. Pendant fini études classiques ou à l'université bien passé et pour pas qu'un jeune travail ou pas jamais utile tête ou rien. C'est réalité Haïti. Mais gon bagaille erreur que nous fait amis qui s'allie. Là nous l'école nous t'es supposé faire un bagaille très précis qui s'allie à l'apprendre un bagaille. Pendant que nous l'école là soit nous dans reto, soit nous dans 4e, pendant arriver dans reto, on peut toujours apprendre photographie. On peut toujours apprendre comment faire montage vidéo. On peut toujours apprendre plusieurs autres bagages. Pour qui ça me dit ça? On n'est pas obligé d'attendre c'est leur fini l'école pour aller apprendre nos bagages à l'université pour aller travailler. On peut toujours pendant l'école là, on fait l'argent entrer dans le monde. On fait cob, on va apprendre petit monde. Ça que vous-même on apprend. On fait de façon à ce pour qu'on toujours gagne cob dans le monde. Pour faire business, etc. Lorsque vous-même vous finissez là, vous allez à l'université, premièrement, vous allez apprendre des bagages. Deuxième bagage qui gagne, c'est que pendant toute l'année, ça vous avez fait, vous avez appris, vous avez essayé de joindre une possibilité pour travailler sur ça que vous apprenez pendant que vous êtes à l'école, vous avez gagné un pile de temps d'expérience. Vous avez gagné 2 ans. Vous avez 3 ans d'expérience pendant que vous êtes à l'école, dans ça que vous êtes photographie et vidéographie. Donc pendant que vous êtes à l'université, les parents ont des moyens pour finir payer toute l'université et puis ou même payer par rapport avec ça que vous avez appris depuis l'année que vous êtes dans l'école classique. Donc vous travaillez sur lui. Donc et ça, nous souhaitons que nous-mêmes pour ne pas faire comme moi-même je fais déjà, l'autre monde qui est dans la même génération ensemble avec fait déjà. Mais nous-mêmes, nous souhaitons que nous-mêmes ne pas faire. Et quand nous allons apporter notre sujet, qui ça supposé apprendre? L'erreur que nous toujours faisons, c'est que nous toujours prenons une matière par rapport avec ça, par nous dit. Par nous dit, c'est le docteur pour nous apprendre, tu es le Rachel par le docteur. Même si vous-même, vous jamais étudier, c'est le docteur net allé. Vous comprenez? Le plus facile pour réussir dans les choses que vous aimez, que on bagaille que pas aimer. Parler avec parents nous mettre au chita dire ça que mais qui ça m'aimer, mais qui ça me aimer faire. Réellement mettre mon dans chita même s'il pas tando, il y a parents qui pas attendre mais faire mon dans chita pour faire le ressenti qui soit que vous aimez, mais qui soit senti au carré ici, mais qui soit senti au café. Vous comprenez? Et puis tout l'autre erreur que nous faisons. Là nous prend choix, donc par exemple, nous parle prendre comptabilité, pas pour une comptabilité très précise. Pour une comptabilité, par exemple, comptabilité avec un diplôme en administration. Pour une administration avec un diplôme mineur en comptabilité. Donc, il faut toujours varier. Pas prendre une compétence précise, mais prendre un champ de compétences. Ça me le dit pas là. Gardez pour vous, sourire, mais ça que la comptabilité, gardez pour vous dans toute ça. Dans tout ça qui gagne de comptabilité, qui sort pire, dans tout ça, dans toute matière, dans toute administration de comptabilité là-dedans, gestion de comptabilité là-dedans. Vous comprenez? Comptabilité, il y a un pile coup comptabilité là-dedans. Mais gardez pour vous. Dans tout dans qui ça que vous même pensez que vous pas adapté naturellement. Font recherche sur Google. Parlez avec l'autre monde pour voir dans qui ça qui gagne. Dans qui ça que qui matière que vous avez, qui ça que vous gagne là-dedans. Malheureusement, nous vivons dans un pays côté que pas gagne directeur bon, pas gagne professeur d'orientation. De dire ça. Pas un monde qui a dit comme ça que qui font recherche pour garder matière que dans tout bulletin que vous avez à l'école dans qui matière que au plus fort et font une analyse psychologique ensemble avant pour voir dans qui ça que vous avez évolué. Malheureusement pas ça. Donc c'est eux même qui pour connaître. Donc conseil que apporter pour nous c'est mettre tête nous en place, parler à parents nous, parler avec l'autre monde qui fait l'université déjà, monde qui finit avant nous. Garder dans qui ça que ou même qui ça que ou même ou remet premièrement, garder pour ouais qui ça qui a l'ensemble avec et pas jamais faire une seule graine étude. Les maisons seul graine étude, pas prendre comptabilité seul, pas prendre administration seul, pas prendre gestion seul. Toujours mettre un petit diplôme accompagné ensemble avec elle. Et puis non seulement tout, études n'ont pas seulement arrivé dans la licence. Essayez d'aller au-delà. Essayez de faire un master. Mettez ça dans la tête, bien que l'apprentissage, mais depuis qu'on y a, mettez ça dans la tête. Vous comprenez? Et vous pensez, ça que vous avez appris depuis que vous avez l'école, plus ça que vous pouvez apprendre pendant que l'université, dans l'université, avec conseil ça, avec tout ça, je pense que les nous sortis de l'université, nous sommes sortis avec plusieurs compétences. La plus bonne pour nous, et là, ça n'est pas si tout vide, nous avons combler. Pas hésiter pour l'informatique, parce que l'informatique, c'est un outil que lié. N'importe ça que vous pouvez apprendre, n'importe ça, n'importe côté que vous pouvez travailler, n'importe ça que vous pouvez apprendre, vous avez toujours gain informatique là-dedans. Dans n'importe job que vous pouvez aller, informatique en côté en pile, Word, Excel, minimum. Donc, je pense que le conseil ça suffit nous, à aider nous, dans le choix que nous avons fait de vie nous, et nous souhaitons que nous prenions, pour nous appliquer, et je pense que nous avons réussi plus. Donc, je remercie nous de ce que nous avons suivi l'émission ça. Et pas hésiter, partager vidéo ça avec élèves pareil nous. Même si nous avons fini tout, partager avec l'autre jeune qui n'a même cas ensemble avec nous. Et pas hésiter partager avec famille nous qui l'école de façon à ce que pour faire bon choix, pour faire meilleur choix pour vivre dans sa étude. Donc c'était Hugues Paul ensemble avec nous aujourd'hui et nous parlons aujourd'hui, mais nous retournons encore pour porter plus bons conseils pour nous. Merci, au revoir.